Merci Jésus, j'acclame le Seigneur et nous commençons tout de suite. Merci Seigneur Jésus. Nous prions le Seigneur et nous commençons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci tendre Père pour ce temps merveilleux que tu nous donnes encore ce soir. Seigneur, quel privilège pour nous d'être dans ta présence, ô Dieu. Nous te bénissons pour la force que tu nous as encore donnée ce soir. Nous te bénissons pour la santé que tu nous as encore donnée ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta paix que tu as mis dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes de nous approcher devant le trône de ta grâce. Alléluia. De nous approcher du trône de ta grâce encore en ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Je viens encore te confier ce temps de prière entre tes mains. Seigneur, je te prie d'être encore au milieu de nous. Je te prie d'écouter les prières. Je te prie, Seigneur, d'exaucer, ô Dieu. Exauce à une personne qui est là et qui a prié depuis longtemps, mais qui n'a jamais eu de solution. Je prie, Seigneur, que ce soit le jour d'exaucement. Je prie, Seigneur, que ce soit le jour de restauration. Je prie, Seigneur, que ce soit la soirée du témoignage dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur, de le faire. Je te prie, fais-le, Seigneur, ce soir. Fais-nous du bien. Répands à cette personne qui est perdue. Répands à cette personne que l'ennemi est en train de secouer depuis longtemps. Répands à cette personne, Seigneur, qui a des difficultés depuis des années. Que ce soit une soirée de libération. Que ce soit une soirée, Seigneur, de restauration. Que ce soit l'homme fort qui détenait une personne. L'homme fort qui détient quelqu'un. L'homme fort qui contrôle une famille. L'homme fort qui contrôle une maison. Seigneur, que ce soir, il puisse tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il tombe, Seigneur. Qu'il tombe en ton nom. Qu'il tombe par ton feu. Qu'il tombe, Seigneur, par ton bras. Qu'il tombe ce soir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, que tu règnes. Oui, que tu règnes. Que tu règnes en Seigneur. Que tu règnes en Maître. Que tu règnes en Majesté. Saint-Esprit, oui, inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Saint-Esprit, que ta puissance puisse encore anéantir l'ennemi ce soir. Que ta puissance puisse encore détruire les forces de la sorcellerie ce soir. Que ta puissance puisse encore détruire les forces de la magie ce soir. Que ta puissance puisse encore écraser les forces des oppressions ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu règnes, Saint-Esprit. Que tu prennes la place. Que tu agisses encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Je prends autorité contre tout esprit de sommeil au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout esprit de distraction maintenant dans le nom de Jésus. J'envoie le feu contre tout esprit de sorcellerie qui peut ramener, Seigneur, la distraction, la lourdeur, le sommeil au nom puissant de Jésus. Que cela soit foudroyé par le feu. Oui, Seigneur, je viens sécuriser ce temps de prière par ton sang précieux. Et que ton sang puisse encore nous purifier de la tête à la plante de nos pieds. Et que ton sang puisse purifier chaque personne, chaque maison, Seigneur, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse toute personne qui a partagé la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui avez partagé la vidéo, soyez bénis. Vous qui avez partagé la vidéo, je dis encore, soyez bénis. Vous qui avez partagé la vidéo, soyez bénis. Vous qui avez partagé la vidéo, que le ciel vous fasse du bien ce soir. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, ne partage pas des bêtises. Ne partage pas seulement des choses qui n'édifient pas. On t'envoie une vidéo sur Messenger, tu commences à partager. La vidéo ne t'édifie pas, n'édifie personne. Elle te fait juste rire. Tu la partages comme des petits pains. Bien-aimé, quand il s'agit de la parole, au contraire, tu dois t'appliquer à ce moment-là. Parce que là, il s'agit de la vie éternelle. Non pas de la vie éphémère, mais de la vie éternelle. Il s'agit de la restauration. Il s'agit de la délivrance. Il s'agit de la relation avec le Seigneur. Alors, il faut partager la vidéo. Partageons au maximum. Partageons. Si nous pouvons faire 1000 partages, oh, quelle grâce. Si nous pouvons faire 500 partages, quelle grâce. On peut y arriver. Mais sache donner de la valeur au temps précieux que le Seigneur te donne d'être dans sa présence. Alors, pour donner de la valeur à ces temps précieux, tu dois les partager. Quand tu partages quelque chose, c'est que tu donnes de la valeur à cette chose. Alléluia. Quand tu donnes de la valeur à quelque chose, tu en parles. Quand tu donnes de la valeur à un territoire, tu en parles. Quand tu donnes de la valeur à quelque chose que tu as dans tes mains, tu vas en parler. Quand tu donnes de la valeur à un produit, tu vas en parler. Quand tu donnes de la valeur à une marque, tu vas en parler autour de toi. Alors partage. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Notre thème de ce soir,
prière pour détruire tout décret de mort sur sa vie. Alléluia. Écrivez tout simplement détruire le décret de mort. Alléluia. Détruire le décret de mort au nom de Jésus. Détruire le décret de mort. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prière pour détruire tous les décrets de mort. Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle des décrets de mort. Les décrets de mort, c'est ce qu'on a décrété dans la vie d'une personne pour lui ramener la mort. Les décrets de mort, c'est tout ce que le monde des ténèbres font pour ramener la mort dans la vie d'une personne. Les décrets de mort, c'est tous les efforts que le monde occulte fait pour ramener la mort dans la vie d'une personne. Alors bien aimé, j'aimerais te dire une bonne nouvelle, te donner une bonne nouvelle ce soir. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia! Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia! Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu le diable, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Alléluia! Alors la mort n'a pas de force devant le nom de Jésus-Christ. Détruire tout décret de mort dans ta vie. Détruire tout décret de mort dans la vie d'une personne ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous sommes à la fin de l'année, comme je l'ai dit hier ou je crois avant-hier, il faut savoir que quand nous arrivons à la fin de l'année, les 3 mois de la fin de l'année sont des mois où l'ennemi demande, le diable demande beaucoup d'âmes, demande du sang. Il demande à ce que les gens puissent mourir. Donc, les anges de la mort sont relâchés dans la ville, relâchés dans les territoires, relâchés dans les pays. Pourquoi ? Pour ramener du sang, pour que les gens puissent mourir. Alors, il y a ce qu'on appelle des décrets de mort. C'est-à-dire, on décrète sur une personne. On décide sur une personne. C'est-à-dire, les juges des ténèbres décident dans les tribunaux des ténèbres, ils décident que telle personne doit mourir, telle personne doit mourir, telle personne doit mourir. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que quand nous arrivons dans cette période-là, il faut détruire tout décret de mort dans ta vie. Il y a des familles, quand on arrive vers le mois de décembre, les décrets de mort commencent maintenant à agir. Pourquoi? Parce qu'on les laisse tranquilles juste pour un temps. Mais dès que le mois de septembre commence, les gens commencent à tomber malades. Les gens commencent à tomber malades. Octobre, novembre, avant décembre, il y a une date qui a été décrétée pour qu'une personne puisse mourir. Ça a été statué dans les tribunaux des morts, dans les tribunaux plutôt occultes, de la sorcellerie. Ça a été statué dans le monde des ténèbres. Ça a été statué dans le monde occulte. C'est-à-dire, on a statué que telle personne doit mourir. On a déjà écrit dans le registre de la mort, telle personne doit mourir à telle date. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y a des personnes, juste à cause d'un petit mot de tête, un petit mot de tête qui n'avait pas l'air méchant, mais la personne meurt. Une autre personne, on l'a juste poussée, elle meurt. Une autre personne, elle est juste partie se baigner, elle se noie. On la voit plus, on voit plus le corps, il disparaît. Une autre personne, c'était juste un petit accident de rien du tout, mais qui l'emmène à la mort. Pourquoi? Il y avait un décret de mort sur lui depuis longtemps. Le décret était déjà décrété, c'était déjà décidé. Alors, arrivé à cette période-là, c'est juste une exécution du décret qui avait été décidé dans le monde occulte. C'est juste une exécution du décret qui avait été signé dans le monde des ténèbres. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci Seigneur. On prépare nos Bibles. On prépare nos Bibles. Continue à partager. Si tu n'as pas encore partagé, alléluia. Si tu n'as pas encore partagé, partage. Il faut partager. Merci Seigneur. Voilà. Oh là là. Merci de partager. Voilà. Merci Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 28, 14 à 15. Tu ouvres ta Bible, tu soulignes dans ta Bible. Alléluia. Ésaïe 28, 14 à 15, gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Nous lisons ensemble. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Je répète encore, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Bien-aimés, ce qui ramène des décrets de mort dans la vie d'une personne, quand on parle de décret, c'est-à-dire un commandement, on a commandé que la mort doit être dans la vie de cette personne. On a arrêté que la mort doit être dans la vie de cette personne. On a décidé que la mort doit être dans la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce n'est pas ton cas. C'est ce qu'on appelle décréter. Un décret est un arrêté. Dans le monde des ténèbres, dans le jugement des ténèbres, dans les jugements de la nuit, ils peuvent juger et décider. Maintenant, ici, le Seigneur dit quelque chose. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Bien-aimés, les gens qui font des alliances avec la mort sont des personnes qui vendent des âmes. Les gens qui font des alliances avec la mort, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. En fait, une personne qui est dans la sorcellerie est une personne qui a fait une alliance avec la mort. Une personne qui est dans la sorcellerie est une personne qui a fait une alliance avec le séjour des morts, c'est-à-dire la personne a signé quelque chose pour emmener des âmes, pour envoyer des âmes vers la mort, pour vendre des personnes, peut-être des personnes de sa famille. Alléluia. Donc cette personne-là a une alliance avec la mort et son alliance c'est quoi? C'est d'envoyer des âmes. Peut-être chaque année, il doit prendre 2 personnes ou peut-être tous les 2 ans, il va envoyer 3 personnes, 4 personnes. Il a fait une alliance avec une alliance avec la mort. Il a fait une alliance ou encore un pacte avec le séjour des morts. À chaque fois, il y a des gens qui meurent. À chaque fois, il y a des gens qui dans le monde des ténèbres qui l'envoient vers la mort, qui l'envoient dans le séjour des morts. Bien-aimés, ce soir, alors que nous allons prier, toute alliance de mort dans ta vie va être détruite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toute alliance de mort dans ta vie va être détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Toute alliance de mort dans ta vie va être détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui font des alliances avec la mort. Chaque année, ils prennent une personne. Chaque année, ils prennent les âmes de 2 personnes. Chaque année, ils doivent envoyer 10 personnes. Chaque année, ils ont une alliance, ils ont signé un décret. Ils ont signé un décret dans les familles pour que les gens puissent mourir. Bien-aimés, ce n'est pas normal que dans une famille, que les gens meurent, exemple, tous les 3 ans. Ou chaque année, il faut que quelqu'un parte. C'est qu'il y a un décret qui a été signé. Il y a un arrêté qui a été décidé par les juges des ténèbres, dans les tribunaux des ténèbres. Il y a un décret qui a été signé que chaque année, quelqu'un doit partir. Chaque année, quelqu'un doit partir. Il faut se révolter. Il faut détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il faut détruire cela au nom de Jésus. Il faut anéantir toute alliance de mort dans ta maison, toute alliance de mort dans ta vie, toute alliance de mort dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. En fait, il faut prendre ce verset sur 2 volets. Le premier volet, c'est quand une personne lui-même a fait alliance avec la mort. La personne a fait alliance avec le séjour des morts. Donc, la personne a fait une alliance comme quoi il va envoyer des âmes chaque année ou encore tous les 2 ans ou encore tous les 10 ans. Mais en tout cas, il a une alliance avec la mort. Il a signé quelque chose qui va faire qu'à chaque fois, il y a des gens qu'il va envoyer vers le séjour des morts. Maintenant, il y a une deuxième alliance. Il y a des décrets de mort qui agissent dans la vie des personnes, non pas en les tuant. Ça ne te tue pas physiquement, mais ça tue tout ce qui t'appartient. Quand il y a un décret de mort qui est signé dans la vie d'une personne, des fois la personne ne meurt pas. Tu ne meurs pas, tu es bien vivant. Mais la mort va rentrer dans les domaines de ta vie. La mort va ramener la sécheresse.
La mort va te ramener les mains sèches. Tes mains ne produisent pas. La mort va ramener des échecs. La mort va ramener des avortements. Alléluia. La mort va ramener beaucoup de choses dans ce que tu fais. S'il y a un esprit de mort qui te suit dans ce que tu fais, tu vas voir qu'il y aura toujours un esprit d'avortement. Tu vas commencer quelque chose, ça ne termine pas. Tu vas prendre une décision, mais tu n'arrives pas à démarrer. C'est un esprit de mort qui est derrière. Il y a une alliance, il y a un décret de mort qui a été signé sur ta vie. Tu dois détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on parle de la mort, décret de mort, arrêté de mort, commandement de mort ou encore décision de mort, on a décrété sur toi, on a décrété sur une personne, il faut qu'il y ait la mort dans sa vie. Ce n'est pas seulement mourir physiquement, mais souvent même, ça peut être les domaines de ta vie où on a mis la mort dans les domaines de ta vie. Alléluia. On met la mort dans les domaines de la vie d'une personne et la personne a les mains sèches. Donc les mains ne portent pas, il n'y a pas de prospérité. Tout ce que la personne touche meurt. Tout ce qu'elle commence comme commerce meurt. Tout ce qu'elle peut faire meurt. Pourquoi? Il y a un décret de mort qui a été signé sur sa vie. Le mariage ne peut pas durer. Tu peux avoir plusieurs hommes dans ta vie, plusieurs femmes, mais ça ne dure pas. Et à chaque fois, tu dois changer. Tu changes de relation, ça ne marche pas. Il y a un décret de mort qui a été signé sur ta vie. Il faut détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on parle des alliances de mort, quand il y a une alliance de la mort dans la vie d'une personne, tu vas souvent voir que tu es en train de rêver des cimetières. Tu rêves que tu marches dans des cimetières. Parce que quand on voit les cimetières, on voit des ossements. Et les ossements, c'est la mort. Les ossements, c'est la sécheresse. Alléluia. Tu vas voir que tu fais toujours des rêves où tu es avec des gens qui sont morts. La personne est déjà décédée depuis longtemps. Mais à chaque fois, tu rêves de cette personne qui vient manger avec toi. À chaque fois, tu rêves de cette personne qui vient boire avec toi. À chaque fois, tu te vois marcher avec la personne. À chaque fois, tu te vois être en compagnie de cette personne. Mais bien aimé, toi, tu es sur la terre des vivants. Tu ne peux pas te retrouver dans le séjour des morts. Tu ne peux pas te retrouver avec des morts. Refuse cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Refuse cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus, ce soir. Refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de sécheresse quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'ossement desséché quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand il y a des décrets de mort, les décrets de mort peuvent agir aussi dans la santé d'une personne. C'est-à-dire que tu n'as pas de guérison. La guérison ne vient pas. Pourquoi? Il y a un décret de mort qui a été signé contre toi. Ta santé doit mourir. Ce n'est pas toi qui meurs, mais ta santé qui meurt. Ce qui fait que tu es toujours malade. Il faut détruire cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut détruire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est pas bon de rêver des personnes qui sont mortes depuis longtemps. Il n'est pas bon de te voir marcher avec eux. Il n'est pas bon de te voir manger avec eux. C'est que sur ta vie, il peut y avoir une alliance de la mort sur ta vie. Une alliance, alors tu te retrouves toujours avec les gens qui sont de l'autre côté. Alors que toi, tu es sur la terre. Alléluia. Je répète encore, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Alléluia. Il a les clés de la mort et du séjour de mort. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a la victoire. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu le diable. Il a vaincu Satan. Il a vaincu. Alléluia. La mort n'a plus de force. Quand tu es positionné en Christ, aucun décret de mort ne peut fonctionner sur ta vie. Aucun décret de mort ne peut persister sur ta vie. Aucun décret de mort ne peut résister sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce soir, le Seigneur veut détruire tout décret de mort, veut détruire toute alliance de mort sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Nous allons voir ce que Job dit dans Job 38 au verset 17. Job 38 au verset 17 dit ceci. Les portes de la mort tant-elles étaient ouvertes. Les portes de la mort tant-elles étaient ouvertes. As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? On parle des portes de la mort et on parle des portes de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, mais David a parlé aussi de l'ombre de la mort. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il y a ce qu'on appelle l'ombre de la mort, il y a ce qu'on appelle les portes de la mort.
Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Il y a des personnes bien-aimées qui ont, que l'ennemi en fait a enfermé dans les portes de la mort. C'est-à-dire, l'ennemi rapproche les portes de la mort vers toi. Dans tout ce que tu fais, il y a une porte de la mort qui est là et tout ce que tu fais meurt. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut détruire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Donc nous comprenons qu'il y a les portes de la mort qui s'ouvrent dans la vie des personnes. Quand une personne a les portes de la mort ouvertes dans sa vie, ce n'est pas une bonne chose. Cela ramène la sécheresse, cela ramène la pauvreté, cela ramène des difficultés, cela ramène des mauvais rêves, cela ramène la tristesse, cela ramène les échecs, ça t'enlève la prospérité, ça t'emmène les mains sèches, beaucoup de mauvaises choses. Il faut détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écris avec moi, je refuse les portes de la mort au nom de Jésus. Je refuse les portes de la mort au nom de Jésus. Je refuse les portes de la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut détruire tous les décrets de la mort dans ta vie. Il faut détruire tous les décrets de la mort dans ta famille. Il faut détruire tous les décrets de la mort dans ton environnement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire, ah, moi dans ma famille, dans ma vie, moi j'ai pas ces choses. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Tu dois prier pour cette personne. Quand tu détruis cet esprit, quand tu détruis ces mauvais décrets, alors tu sauves aussi les personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons encore lire. Pour terminer, nous allons prier dans le psaume 107 au verset 18. Écoutez ça. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Vous voyez encore? Là, c'est David qui parle des portes de la mort. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de toute angoisse dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ brise ce soir toute porte de la mort, tout décret satanique et démoniaque qui a décidé la mort de tous les domaines de ta vie, qui a décidé la mort dans ta maison. Que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit néanti dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut prier avec sérieux. Quand nous allons prier tout à l'heure, prie avec sérieux, prie avec autorité, prie avec décision, prie avec zèle, prie et détruis les décrets de la mort. Alléluia. Détruis tout décret de la mort, tout décret de mort, toute alliance de mort sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les alliances de mort sont aussi quand tu vois, exemple, que tu manges de la viande fraîche dans la nuit. Tu dors et tu vois que tu es en train de manger de la viande avec du sang. Tu es en train de manger de la viande crue. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a une alliance de mort sur ta vie. Il faut détruire cela dans le nom de Jésus. Il faut détruire ce genre de rêves qui détruisent les vies. Il faut détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut détruire cela. D'autres personnes, l'ennemi a mis sur eux une alliance de mort. L'ennemi a décrété sur eux la mort. Et ce n'est pas eux qui vivent cela, mais ce sont les enfants. Cette mort est descendue sur les enfants et les enfants sont dispersés. Ils n'arrivent plus à canaliser les enfants. Les enfants ne les voient plus. Les enfants ont disparu. On a mis la mort. Il n'y a plus de relation entre les parents et les enfants. Il n'y a plus de relation entre la mère et les enfants. Il n'y a plus de relation entre le père et les enfants. Il n'y a plus de relation. Il faut détruire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je refuse les portes de la mort au nom puissant de Jésus. Alors ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si quelqu'un, si dans le monde occulte, on avait décidé d'en finir avec toi pour la fin de cette année, alléluia, j'aimerais te dire que leur décret est brûlé au nom puissant de Jésus. Leur décret sera brûlé ce soir par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout décret de mort sur ta vie est nul et sans effet dans le nom de Jésus. Tout décret de mort sur ta vie retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Tout décret de mort sur ta vie se retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les décrets de mort agissent dans la vie de beaucoup de personnes. Ça peut être surtout dans le commerce, dans les affaires. Quand il y a un décret de mort dans la vie d'une personne qui fait des affaires, à chaque fois, vous allez voir, les contrats vont être avortés.
À chaque fois qu'il y a un petit espoir, c'est toujours avorté. Que cela soit, ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Les décrets de mort peuvent se faire aussi au niveau des finances. Quand tu as du mal à toucher les finances, tes mains sont sèches, tu as du mal à toucher les bénédictions, tu as du mal à voir les bonnes choses, tu n'as pas les bonnes choses dans tes mains, alors il y a un décret de mort. Il y a un décret de mort sur tes mains, sur ta vie. Il faut détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je refuse au nom de Jésus. Refuse cela. Refuse cela. Refuse. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je refuse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que j'ai la vie dans le nom de Jésus. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand quelqu'un fait une alliance avec le séjour des morts, quand quelqu'un fait une alliance avec la mort, cette personne, en fait, est d'accord avec la mort. Cette personne s'accorde avec la mort, signe des décrets, fait une alliance, s'accorde avec le monde des ténèbres pour perdre une personne, pour envoyer une personne travailler dans ce monde pour lui, pour que lui, il puisse avoir la richesse. Bien-aimé, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Si dans ta famille, il y a de telles personnes, qu'ils soient exposés et qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus, que leur plan soit anéanti au nom puissant de Jésus. S'il y avait dans ta famille, en cette fin d'année, on a prévu de prendre une personne, deux personnes, trois personnes, que cela soit avorté au nom de Jésus. Que les plans, que tous les plans de la sorcellerie, tout décret, tout arrêté de la mort qui a été décrété contre toi, contre ta famille, contre un membre de ta famille, contre n'importe quelle personne qui est dans ta famille, que cela soit avorté au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas tout simplement dire, alléluia. Merci Seigneur, car tu es la résurrection et la vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il était la résurrection et la vie. Tu vas dire, Seigneur, merci car tu es la résurrection et la vie. Alors j'annonce à la nuit ce soir que c'est toi qui me fais vivre. Alléluia. J'annonce à la nuit ce soir que c'est toi qui fais vivre ma maison. J'annonce à la nuit ce soir que c'est toi qui fais vivre mes enfants. J'annonce à la nuit ce soir que tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alors Seigneur, je te bénis et je te loue au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, fais une prière qui est simple. Tu remercies le Seigneur parce qu'il est la résurrection et la vie. Et tu le remercies en annonçant à la nuit. J'annonce à la nuit ce soir que c'est toi qui es ma vie. Quand tu es en train de faire ça, quand tu es en train d'annoncer à la nuit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te fait vivre, que c'est lui qui est ta vie, que c'est lui qui est ta résurrection, alors tu es en train de décréter toi aussi contre les décrets des ténèbres. Tu es en train de décréter que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ta vie. Et la terre t'entend, les sorciers entendent, les villages entendent, tous ceux qui te regardent dans le monde spirituel entendent que c'est Christ qui est ta vie. Commence à prier avec moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci ce soir. Merci Seigneur pour cette session. Merci Seigneur car tu es la résurrection et la vie. Merci Seigneur car tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie dans ma maison. Tu es la résurrection et la vie. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es la résurrection et la vie de ma vie. Tu es la résurrection et la vie de ma maison. Tu es la résurrection et la vie de mes enfants. Tu es la résurrection et la vie. Reçois la gloire, Seigneur, ce soir. Reçois la magnificence ce soir. Je viens encore annoncer à la nuit, Seigneur, que c'est toi qui me fais vivre. Je viens encore annoncer à la nuit, Seigneur, ce soir, que c'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui fais vivre ma maison. C'est toi qui fais vivre ma famille. C'est toi qui fais vivre mes enfants. C'est toi qui fais vivre, Seigneur, au Dieu de gloire. C'est toi
toi qui me fais vivre. C'est toi qui me fais vivre. Reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence ce soir. J'annonce à cette nuit que c'est toi qui me fais vivre. J'annonce à cette nuit, Seigneur, que tu es la résurrection et la vie. J'annonce à cette nuit, Seigneur, que je vis par toi. J'annonce à cette nuit, Seigneur, que je respire par toi. J'annonce à la nuit que c'est toi qui es le Dieu de ma vie. Alors reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence. Reçois l'exaltation. Je suis dans la joie, Seigneur, car tu es ma vie. Je suis dans la joie, Seigneur, car tu es ma résurrection. Je suis dans la joie, Seigneur, car c'est toi qui donnes la vie à mes os, la vie à mon corps, la vie à mon âme, la vie à mon esprit, la vie à ma maison, la vie à ma vie. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Nul n'est semblable à toi. Oh, tu es le seul vrai Dieu. Tu es l'éternel Dieu. C'est toi qui vis à jamais. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui as le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. C'est toi qui as le pouvoir, Seigneur, de sauver. C'est toi qui as le pouvoir de rabaisser et d'élever. C'est toi qui as le pouvoir, Seigneur, de faire asseoir. C'est toi qui as le pouvoir, Seigneur, de bénir. C'est toi qui as le pouvoir de changer la vie d'une personne. Alors je te bénis, Seigneur. Je te loue. Je te magnifie. Car tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est puissant comme toi. Je viens te célébrer. Je viens te louer. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter. Reçois la gloire et la louange au nom puissant de Jésus. 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 Oui, reçois la gloire, Seigneur. Qui est comme toi, qui est comme toi, qui est puissant comme toi, qui est glorieux comme toi, qui est excellent comme toi. Reçois la gloire ce soir, reçois la magnificence ce soir, car tu es digne d'être révéré, tu es digne d'être chanté, tu es digne d'être honoré dans ma vie, tu es digne, Seigneur, d'être loué. Reçois la gloire, car tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie, et c'est toi qui me fais vivre. Reçois la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, c'est pour cela que j'annonce à la nuit que c'est toi qui me fais vivre. Reçois la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas encore demander pardon au Seigneur. Alléluia. Nous voulons demander pardon à notre Dieu. Oui, là où nous avons péché, car il n'écoute pas la prière du pécheur. Alors que tu as besoin d'exaucement, alors que tu as besoin de délivrance, alors que tu as besoin de restauration, alors que tu as besoin de visitation divine, alors que tu as besoin de changement dans ta vie, tu vas demander pardon au Seigneur. Ce soir, tu vas tout simplement dire, Père, je viens encore devant le trône de ta grâce, te demander pardon pour mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur, mes péchés connus et inconnus. Pardonne, Seigneur, toutes choses que j'ai faites et qui ne t'a pas glorifié. Je viens sincèrement te demander pardon. Et je te prie, Seigneur, de me purifier par ton sang ce soir. Purifie-moi par ton sang, de la tête à la plante de mes pieds, que je sois purifié par ton sang, au nom puissant de Jésus. De la tête à la plante de mes pieds, que je sois, Seigneur, purifié par ton sang, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, alléluia, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je viens te demander pardon. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne les pensées de mon cœur. Je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, te demander pardon pour tous mes péchés. Te demander pardon, Seigneur, pour toutes choses que j'ai faites et qui ne t'a pas honoré. Je reconnais ce soir, Seigneur, que le péché m'éloigne de toi. Je reconnais ce soir, Seigneur, que tous ont péché et sont privés de ta gloire. Je reconnais, Seigneur, ce soir que si je suis dans le péché, je ne verrai pas ta gloire. Alors je te demande pardon, Seigneur. Pardonne les péchés de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne mes actes, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce ce soir. Pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, purifie-moi par ton sang ce soir. De la tête à la plante de mes pieds, que je sois purifié. Alléluia. De la tête à la plante de mes pieds, que je sois purifié, que je sois lavé, que je sois purifié au nom puissant de Jésus. Que je sois purifié, Seigneur, purifié de tout péché, purifié de toute souillure, Seigneur. Je veux être purifié, je veux être lavé, je veux être nettoyé par ton sang ce soir. Pardonne-moi, Seigneur. Et je décide ce soir de me détourner de mes mauvaises voies. Je décide ce soir, Seigneur, de m'éloigner du péché. Je décide ce soir de quitter ce péché, Seigneur, qui me fait tomber à chaque fois. Je décide ce soir, Seigneur, oui, d'embrasser la sainteté. Je décide ce soir de ne plus faire marche arrière. Je décide ce soir de ne plus retourner en arrière. Alors je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Purifie mon cœur. Purifie mon âme, purifie mon esprit. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Alléluia. Lave-moi, esprit, à mes corps. Je vais être lavé, purifié dans mon être tout entier. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant de rentrer dans le combat spirituel, tu vas prier ce soir et tu vas demander au Saint-Esprit une chose. Tu vas dire tout simplement, cher Saint-Esprit, Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Alléluia. Saint-Esprit, ce soir, baptise-moi de feu. Et que je sois brûlant ou brûlante. Que je sois brûlant. Alléluia. Pour le monde des ténèbres. Pour le monde des ténèbres, que je sois brûlant. Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Baptise-moi de feu ce soir. Que je sois brûlant. Que je sois brûlant pour le monde des ténèbres. Que je sois brûlant pour la sorcellerie. Que je sois brûlante, Seigneur. Que je sois brûlante de la tête à la plante de mes pieds. Que je sois brûlante au nom de Jésus. Que je sois chaud au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, quand tu es brûlante pour le monde des ténèbres, c'est-à-dire qu'il ne peut plus te toucher. Il ne peut pas s'approcher. Dès qu'il s'approche, il se brûle au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit de te baptiser de feu. Que tu sois baptisé de puissance de feu, que tu sois baptisé de feu, que tu sois baptisé de feu, que tu sois baptisé de feu, et que tu sois brûlant, et que tu sois brûlant pour le monde des ténèbres, que tu sois brûlant. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je te prie ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu, que ton feu, Saint-Esprit, me baptise ce soir, de la tête à la plante de mes pieds, alléluia, que je sois brûlante, alléluia, que je sois brûlante pour le monde des ténèbres, que je sois brûlante pour le monde occulte, que je puisse brûler au nom puissant de Jésus, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu, Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Bien, elle me demande le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui brûle tous les décrets des ténèbres, le feu du Saint-Esprit qui brûle tout ce que le monde des ténèbres occulte a décrété contre toi, le feu du Saint-Esprit qui brûle tout complot des ténèbres qui a été décidé contre ta vie, contre ta famille, le feu du Saint-Esprit qui brûle tout règlement des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Commence à demander le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui anéantit tout complot du monde des ténèbres, tout complot du séjour de mort, au nom puissant de Jésus. Demande ce feu, le revêtement de feu, de la tête à la plante de tes pieds. Oh, que ce feu puisse te revêtir, que ce feu puisse t'environner maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois brûlante, que tu sois chaud, que tu sois chaude pour le monde, alléluia, des ténèbres. Que quand ils viendront pour te toucher, quand ils viendront pour t'oppresser, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient brûlés, qu'ils n'aient même pas la force de s'approcher de toi. Tellement tu es brûlante, tellement tu es brûlante, tellement tu es brûlante. Demande le baptême de feu, le baptême de feu, le baptême de feu sur ma vie, le baptême de feu sur ma tête, le baptême de feu sur mes mains, le baptême de feu sur mes pieds, le baptême de feu sur mon corps. Au nom puissant de Jésus, 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 le baptême de feu, le baptême de feu, le baptême de feu, le baptême de feu qui fait fuir l'ennemi, que ce feu fasse fuir l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que ce feu fasse de moi un cauchemar pour le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, remplis-moi de ton feu. Saint-Esprit, baptise quelqu'un de ton feu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit descend sur toi maintenant, sur ta tête maintenant, sur tes mains maintenant, sur tes pieds maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu, le feu, le feu, alors qu'on appelle le feu, ce feu est en train de délier maintenant les personnes qui étaient liées pour la fin de l'année, les personnes qui étaient sur qui on avait mis des mauvais décrets de mort pour la fin de l'année. Cela est en train de détruire tout décret de mort. Cela est en train de briser tous les liens sataniques et démoniaques. Ce feu est en train de détruire, de brûler les liens de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, baptise maintenant, je désire ton feu, nous désirons ton feu, bien-aimé, appelle le feu, Dieu Saint-Esprit, je désire ce feu, je désire ce feu, je désire ce feu, le baptême de feu, que je devienne brûlante, au nom puissant de Jésus, que je devienne brûlante pour l'ennemi, au nom puissant de Jésus, que je devienne trop chaude pour l'ennemi, au nom puissant de Jésus, que je devienne trop chaude pour l'ennemi, oui, que
que ce feu puisse te brûler, que ce feu puisse être sur toi, que ce feu puisse être sur toi. Reçois ce baptême, le baptême de feu du Saint-Esprit, comme un vêtement, de la même manière que tu portes le manteau, de la même manière que tu portes une veste, de la même manière que tu portes une chemise, que tu puisses porter ce feu, que ce feu soit un manteau sur toi, que ce feu soit un manteau sur ta vie, que ce feu soit un manteau sur toi, de la tête à la plante de tes pieds. Le feu du Saint-Esprit commence à brûler l'adversaire, commence à brûler les plans de l'ennemi, commence à brûler les plans des ténèbres, les plans de la maison de ton père qui sont contre toi, les plans, alléluia, de ceux qui sont dans la maison de ta mère qui travaillent contre toi, que cela soit brûlé dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que les plans occultes, les décrets occultes, les arrêtés occultes qui ont été arrêtés contre ta vie, qui ont été décidés par les tribunaux des ténèbres contre ta vie, que cela soit brûlé maintenant au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti maintenant par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit te revêt comme un manteau, te revêt comme un vêtement. Le feu du Saint-Esprit te baptise maintenant, de la tête à la plante de tes pieds, de la tête à la plante de tes pieds. Et ce feu commence à détruire les voies des ténèbres. Ce feu brûle tout voie des ténèbres qui a été mis sur ton visage pour ramener la mort. Ce feu brûle tout voie des ténèbres qui a taché tes entrailles pour que tu ne puisses pas avoir des enfants. Ce feu brûle maintenant tes pieds, brûle maintenant, brûle sur tes pieds et détruit tous les liens des ténèbres qui est en train de te retenir, qui t'attachait comme un mouton, qui t'attachait. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si on t'avait attaché comme un mouton de la bonne année, si on t'avait attaché comme une chèvre de la bonne année, si on t'avait attaché comme un porc de la bonne année, tu deviens brûlant au nom de Jésus. Tu es détaché ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es détaché ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es détaché ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Si on t'avait attaché, si on t'avait attaché pour te mener à l'abattoir, on t'avait attaché pour t'achever en décembre maintenant, j'aimerais te dire une chose, tu es détaché maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit te brûle, le feu du Saint-Esprit te brûle, t'environne et détruit les liens de l'adversaire, et détruit les décrets de mort de l'adversaire. Tout décret de mort qui était sur ta vie est détruit au nom puissant de Jésus, est anéanti au nom puissant de Jésus, est brûlé au nom de Jésus, à cause du feu, par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Alors que je suis en train de parler, là où tu te trouves, je ne sais pas où tu te trouves, dans quel pays tu te trouves, je ne sais pas, mais une chose est sûre, tu es en train de sentir ce feu est en train de traverser ton corps, ce feu est en train de traverser ton corps, ce feu est en train de nettoyer ton intérieur, ce feu est en train de nettoyer, d'enlever tous les poisons que tu as mangés dans les rêves, ce feu est en train de détruire maintenant, au nom puissant de Jésus, ce feu est en train de détruire les liens de la maladie qui t'attachait, ce feu est en train de brûler tous les liens de la mort qui t'ont cerclé, tous les liens de la mort qui t'attachaient, les liens de la mort qui t'ont serré. Cela est en train d'être brûlé ce soir au nom puissant de Jésus. 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 Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort et les séjours des morts. Alléluia. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a la victoire, il est ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Alors c'est lui qui te donne la vie. Reçois la vie du Seigneur. Reçois la vie du Seigneur. Reçois la vie du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton feu. Bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. Et tu vas dire, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je détruis le pouvoir de toute alliance de mort sur ma famille, sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et détruire tout pouvoir. Tu vas détruire plutôt le pouvoir de toute alliance de mort sur ta vie. Le pouvoir, tout ce qui est en train de dominer ta vie, tout ce qui ramène la mort dans n'importe quel domaine de ta vie, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Je répète encore, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je détruis ce soir le pouvoir de toute alliance de mort sur ma vie, ma famille, mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous sommes à la fin de l'année, je déclare maintenant que je détruis le pouvoir de toute alliance de mort sur ma vie au nom de Jésus. Et tu peux rajouter, je ne mourrai pas, je vivrai au nom puissant de Jésus. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Commence à prier avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare ce soir que je détruis maintenant.
Je détruis le pouvoir de toute alliance de mort sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je détruis le pouvoir de toute alliance de mort sur ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs. Prie pour tes parents. Prie pour ta famille. Que le pouvoir de toute alliance de mort sur ta famille soit détruit au nom puissant de Jésus. Ce qui ramène la mort dans ta famille chaque année. Ce qui ramène la mort dans ta maison. Ce qui ramène la mort dans les domaines de ta vie. Ce qui ramène la mort dans tes mains. Ce qui ramène la mort dans tes pieds. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que tout pouvoir de toute alliance de mort sur vos vies soit détruit au nom de Jésus. Sur ta maison soit détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, alors que je me tiens à la porte de minuit, je détruis le pouvoir de toute alliance de mort sur ma vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, détruis ce pouvoir. Le pouvoir de toute alliance de mort sur ta maison. Le pouvoir de toute alliance de mort là où il y a une alliance de mort qui a été signée. Signée contre toi. Signée contre ta famille. Signée contre tes enfants. L'alliance a été signée pour que tu ne puisses pas vivre le bonheur. Pour que tu ne puisses pas bénéficier des bonnes choses. Pour que tu ne puisses pas être prospère. Pour que tu ne puisses pas avoir de l'argent. Pour que tu ne puisses pas avoir des finances, que cela soit détruit au nom de Jésus, pour que tu ne puisses pas être stable, détruis ce pouvoir, ce mauvais pouvoir qui a été signé dans les ténèbres, signé dans la sorcellerie, signé dans les tribunaux des ténèbres, signé, que cela soit détruit au nom de Jésus, que cela soit anéanti au nom de Jésus, là où on t'a jugé dans le monde des ténèbres, là où on a décrété des choses contre ta famille, que cela soit détruit ce soir au nom puissant de Jésus. Commence à envoyer le tonnerre de Dieu, commence à envoyer le feu de Dieu, commence à envoyer le marteau de Dieu, commence à envoyer la foudre de Dieu contre tout pouvoir, contre le pouvoir de toute alliance des ténèbres, au nom puissant de Jésus, contre le pouvoir de toute alliance de mort sur ta vie, au nom de Jésus, que le pouvoir de toute alliance de mort sur ta vie soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit brûlé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti ce soir, au nom puissant de Jésus, que cela soit détruit ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Quand il y a un décret de mort, quand il y a un décret qui a été signé de mort sur la vie d'une personne, un décret qui a été signé sur une famille, sur une maison, sur un couple, sur une destinée, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un document qui a été signé. Quand on parle de décret, on parle d'acte signé. On parle d'arrêté. Un arrêté est signé par un huissier. Il y a les huissiers des ténèbres qui signent des arrêtés. Alléluia. Il y a des notaires de ténèbres qui signent des arrêtés. De la même manière qu'il y a des huissiers dans la vie, il y a des huissiers dans les ténèbres. Il y a des juges dans la vie, il y a des juges dans les ténèbres. Il y a des avocats, il y a des avocats dans les ténèbres. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas déclarer. Alléluia. Tu vas déclarer, tu vas dire. Au nom puissant de Jésus, je détruis par le feu. Je détruis par le feu tous les documents des ténèbres qui contiennent mon nom, ou celui d'un membre de ma famille, ou encore ou celui de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je détruis ce soir par le feu tous les documents des ténèbres. Je détruis par le feu de Dieu, je détruis par le feu de Dieu tous les documents des ténèbres qui contiennent mon nom et celui de ma famille, au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant par le feu tous les documents des ténèbres qui contiennent mon nom, qui contiennent mon nom et le nom de ma famille, qui contiennent mon nom et le nom de mes enfants, qui contiennent mon nom ou les noms de mes enfants, ou les noms de ma famille, au nom puissant de Jésus, commence à détruire par le feu de Dieu. Je détruis maintenant par le feu de Dieu tous les documents des ténèbres. Là où il y a des documents des ténèbres qui ont été signés contre toi, des documents des ténèbres qui ont été signés contre ta maison, des documents des ténèbres qui ont été signés contre ta destinée, qui ont été signés, et où se trouve ton nom ou le nom de tes enfants, ou le nom de ta famille, que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé ce soir. Que cela soit brûlé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare ce soir. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je détruis ce soir par le feu. Je détruis ce soir par le feu tous les documents des ténèbres qui contiennent mon nom ou celui de ma famille ou celui de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis par le feu tout document des ténèbres qui contiennent mon nom. Tout décret de ténèbres qui contient mon nom. Qui contient le nom de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cela est brûlé par le feu. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, 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 je déclare ce soir que tout document des ténèbres, tout décret de la sorcellerie qui contient mon nom ou le nom de mes enfants, qui contient mon nom ou le nom des membres de ma famille est brûlé ce soir au nom de Jésus.
est brûlé ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé ce soir. Que cela soit brûlé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé ce soir. Bien-aimé, brûle, n'aie pas pitié. Brûle ce soir. Envoie le feu. Le feu contre tous les documents des ténèbres. Contre les documents des ténèbres qui contiennent ton nom. Là où on écrit ton nom, dans les livres des ténèbres, dans les registres des ténèbres. Que cela prenne le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu atteigne ces documents. Que le feu de Dieu brûle ces documents. Et que cela soit réduit en cendres. Au nom puissant de Jésus. Que cela devienne des cendres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela devienne des cendres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois aller détruire cela. Tu dois aller détruire cela. Détruis les documents des ténèbres. Détruis les documents des ténèbres dans lesquels on a mis ton nom. On a mis le nom des membres de ta famille. Que cela soit brûlé au nom puissant de Jésus. Que cela soit réduit en cendres. Que cette nuit, quand ils iront chercher, qu'ils puissent trouver des cendres. Qu'ils puissent trouver des cendres. Des cendres. Des cendres. Des cendres. Que cela soit taillé en pièces. Que cela soit réduit en poussière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit détruit par le feu, que cela soit détruit par le feu, que cela soit détruit par le feu, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Alors que nous sommes à la fin de l'année, tu vas détruire, alléluia, tu vas dire, au nom puissant de Jésus, je détruis maintenant, je détruis au nom de Jésus-Christ, toute alliance avec la mort en cette fin d'année, au nom de Jésus. Je détruis toute alliance avec la mort. Quand on parle d'alliance avec la mort, c'est ce qui te ramène les mauvais rêves. C'est ce qui te ramène les rêves des cimetières. C'est ce qui te ramène les rêves de la mort. C'est ce qui te ramène les rêves des gens qui sont décédés. C'est ce qui te ramène des rêves même de mari de nuit. Alors brise toute alliance avec la mort. Déclare, je détruis ce soir, au nom puissant de Jésus, toute alliance avec la mort. Au nom puissant de Jésus. Je détruis ce soir toute alliance avec la mort. Au nom puissant de Jésus. Je détruis toute alliance avec la mort. Au nom de Jésus. En cette fin d'année, je détruis toute alliance avec la mort. Je détruis toute alliance de ma famille avec la mort. Au nom puissant de Jésus. Détruis cela. Je détruis toute alliance avec la mort. Au nom puissant de Jésus. Je détruis toute porte de la mort. Détruis les portes de la mort. Je détruis les portes de la mort au nom de Jésus. Je les foudroie par le feu. Au nom puissant de Jésus. Que les portes de la mort soient détruites. Que les portes de la mort soient néanties. Que les portes de la mort soient détruites. Au nom puissant de Jésus. Que les portes de la mort soient détruites. Au nom puissant de Jésus. Commence à les détruire. Je détruis au nom de Jésus toute alliance avec la mort en cette fin d'année au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Détruis cela. Détruis cela. Détruis toute alliance avec la mort. Détruis toute alliance avec la mort. Je détruis toute alliance avec la mort dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que j'ai la vie en Christ. Je déclare que j'ai la vie en Christ Jésus. Je déclare que j'ai la vie en Christ Jésus. Dans le nom puissant de 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 Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas déclarer. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je lis. Et je lis. Et je détruis toutes les œuvres de l'homme fort dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'homme fort. L'homme fort, c'est cet esprit qui contrôle une famille, qui contrôle une maison, qui contrôle une génération, qui contrôle beaucoup de personnes, surtout les familles. Alors tu vas détruire cela. Tu vas dire, je me tiens dans le sang de Jésus. Alléluia. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je lis, lier, donc tu es en train de lier. Et je lis et je détruis toutes les œuvres de l'homme fort dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Détruis les œuvres de l'homme fort dans ta maison. L'homme fort est celui qui ramène la division dans ta maison. L'homme fort est celui qui ramène la séparation, qui ramène le divorce, qui ramène les pleurs, qui contrôle des vies, qui contrôle des familles, qui contrôle des santé. Détruis ces œuvres au nom de Jésus. Détruis ces œuvres au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Tiens-toi dans le sang de Jésus. Car Jésus
a tout payé à la croix de Golgotha. Je me tiens dans le sang de Jésus et je lis et je détruis toutes les œuvres de l'homme fort dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis et je détruis toutes les œuvres de l'homme fort dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Là où dans ta famille, il y a un homme fort qui ramène la mort chaque année, qui ramène la mort chaque année, chaque deux ans, chaque trois ans. Oh, que ces œuvres soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis les œuvres de l'homme fort dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je me tiens ce soir, je me tiens ce soir dans le sang de Jésus. Je me tiens ce soir dans le sang de Jésus et je détruis maintenant les œuvres de l'homme fort dans ma maison. Je détruis maintenant les œuvres de l'homme fort dans la vie de mes enfants. Je détruis maintenant les œuvres de l'homme fort dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ces œuvres sont détruites. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ces œuvres sont détruites. Au nom puissant de Jésus, ces œuvres sont anéanties. Au nom puissant de Jésus, ces œuvres sont détruites dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens dans le sang de Jésus et je lis et je détruis toutes les œuvres de l'homme fort dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon couple, dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quand il y a un esprit de mort, quand il y a un décret de mort dans la vie d'une personne, cela peut se caractériser par les avortements, les esprits d'avortement, les esprits de stérilité, de peur, d'angoisse, de mort, de fausse couche, de suicide, de maladie. Alléluia. De maladie ou encore beaucoup de maladies courtes qui ramènent à la mort. La maladie, elle est juste courte, mais elle a pour but de ramener à la mort. La maladie n'a pas de sens, mais elle a pour but de ramener à la mort. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire. Vous, esprit d'avortement, vous, parle à cet esprit maintenant, parle à la montagne, alléluia. Vous, esprit d'avortement, de stérilité, de peur, d'angoisse, de suicide, de maladie, alléluia. Je vous chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Vous, esprit d'avortement, esprit de stérilité, esprit de main sèche, esprit de peur et d'angoisse, esprit de mort précoce, esprit de fausse couche, esprit de pauvreté, esprit de suicide, esprit de maladie courte qui emmène à la mort, esprit de pauvreté, d'échec, esprit de pleurs, esprit de mort. Tu peux aussi dire esprit de mort directement. Je vous chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Je vous chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Je vous chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Commence à chasser cet esprit. Selon ton cas, tu vas adapter la prière selon ton cas. Chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. Cet esprit de maladie courte, une maladie qui a commencé toute petite, mais qui commence à être une grande maladie, qui commence à être une maladie terrible, qui commence à t'emmener à des choses compliquées. Brise cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, vous esprit d'avortement, vous esprit de stérilité, vous esprit de peur et d'angoisse, vous esprit de suicide, vous esprit de maladie, vous esprit de maladie qui mène à la mort, je vous chasse de mon corps au nom de Jésus. Je vous chasse de ma maison au nom puissant de Jésus. Je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Vous, esprit de main sèche, je vous chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Vous, esprit de sécheresse, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Vous, esprit de désert, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Vous, esprit de ossements desséchés, je vous chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Vous, esprit qui ramène la mort, je vous chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Commence à chasser cela au nom de Jésus. Chasse cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit d'avortement quitte ta vie. L'esprit d'avortement de grossesse, l'esprit d'avortement de projet, l'esprit d'avortement quand tu es enceinte, la grossesse sort. Que cela quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Chasse cet esprit maintenant. C'est un esprit de décret de la mort. Chasse cela au nom de Jésus. Chasse cela au nom de Jésus. Détruis tout décret de mort qui ramène l'avortement dans ta vie. Détruis tout décret de mort qui te prend des enfants. Détruis tout décret de mort qui te prend tes entreprises. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Détruis tout décret de mort qui te prend tes projets. Qui te vole tes projets. Au nom puissant de Jésus. Détruis tout décret de mort qui te vole tout ce que tu veux faire de bien dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'avortement, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Tout esprit d'avortement de projet, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Tout esprit de sécheresse, je vous chasse de ma maison au nom
nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté chronique, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Tout esprit de honte, d'humiliation, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Tout esprit de peur et d'angoisse, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Tout esprit de douleur chronique, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Tout esprit de peur, je vous chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, quand il y a un décret de mort qui est dans la vie d'une personne, quand il y a une alliance de mort dans la vie d'une personne, dans le monde des ténèbres, on met sur cette personne un vêtement de deuil. Le vêtement, il est invisible. Mais comme la personne a un vêtement de deuil, tout ce qu'elle fait ramène la mort. Tout ce qu'elle fait emmène des portes de la mort. Tout ce qu'elle fait ramène toujours le désespoir, toujours ramène toujours le désespoir, ramène le découragement, alléluia, ramène toujours des mauvaises nouvelles. Tu vas prier, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ te donne la vie ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ restaure les domaines de ta vie ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ souffle la vie sur tous les domaines de ta vie. Alors tu vas prier, tu vas dire, au nom puissant de Jésus, je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui habille ma vie au nom puissant de Jésus. Je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui habille ma vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu n'es pas encore marié, mais on a mis sur toi un vêtement de deuil. Bien-aimé, tu n'es pas encore marié, on a mis sur toi un vêtement de deuil. Que cela quitte ta vie au nom de Jésus. Tout vêtement de deuil qui a été mis sur ma vie, qui habille ma vie, que cela soit brûlé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je détruis par le feu. Détruis maintenant par le feu. Je détruis par le feu ce soir tout vêtement de deuil qui habille ma vie au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes bien-aimées qui ne trouvent pas le mariage parce que sur leur vie, on a mis un vêtement de deuil. En fait, dans le monde des ténèbres, on a fait de toi une veuve. On a fait de toi un veuf et donc tu ne peux pas te marier. Tu as un vêtement de deuil. Alléluia. Que cela quitte ta vie au nom puissant de Jésus. 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 Que cela quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, prie, détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Oui, le Seigneur dit dans sa parole, dans Ésaïe 61, qu'il te donnera une huile de joie. Une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Tu dois recevoir l'huile de joie. Au lieu du deuil, tu dois avoir une huile de joie. Alléluia. Au lieu du deuil, tu dois avoir une huile de joie. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Commence à prier. Que détruis ce vêtement. Détruis ce vêtement. Je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui habille ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie ce soir. Je viens détruire maintenant tout vêtement de deuil qui habille ma vie dans le nom de Jésus. Tout vêtement de deuil qui habille ma vie au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, car Dieu me promet une huile de joie au lieu du deuil. Je reçois l'huile de joie du Seigneur, je reçois l'huile de joie du Seigneur, je reçois l'huile de faveur du Seigneur, je reçois l'huile de faveur du Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je détruis ce soir par le feu tout vêtement de deuil qui habille ma vie, qui habille mes enfants, qui habille ma maison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je détruis par le feu, je détruis par le feu tout habit de deuil. Bien-aimé, commence à détruire. Commence à détruire. Détruit par le feu. Détruit par le feu. Détruit par le feu. Au nom de Jésus, tout vêtement de deuil qui habille ta vie. Commence à détruire cela au nom de Jésus. Commence à détruire cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, détruis ce soir. Détruis ce soir. Détruis ce soir. Tout vêtement de deuil sur ma vie. Tout vêtement de deuil sur ma vie. Que cela soit détruit. Que cela soit anéanti. Que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé par ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à brûler. Brûle tout vêtement de deuil. Tout vêtement que le monde des ténèbres a mis sur toi. Le vêtement de deuil qu'on a imposé sur toi. Que cela soit brûlé. Que cela soit anéanti par le feu. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui habille ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui habille ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui habille ma maison.
au nom puissant de Jésus. Je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui abîme mes enfants, surtout ma première fille, au nom puissant de Jésus. Je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui abîme mon premier fils, au nom puissant de Jésus. Je détruis par le feu tout vêtement de deuil qui abîme mes enfants, que cela soit brûlé, que cela soit anéanti, que cela soit détruit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Continue à brûler par le feu tout vêtement de deuil qui habille ta vie, que cela quitte ta vie au nom de Jésus, que tout vêtement de deuil qui ramène la maladie dans ta vie, que cela soit brûlé. N'aie pas pitié, commence à brûler cela, commence à envoyer le feu, commence à détruire cela, commence à anéantir cela, tout vêtement de deuil qui brûle ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec force, prie avec autorité, prie sans relâche, prie avec zèle, prie avec détermination, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que tout vêtement de deuil qui habille ta vie, qui habille ta maison, qui habille ta destinée, qu'il soit brûlé, qu'il soit brûlé, qu'il soit ôté au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout vêtement de deuil qui habille tes enfants soit ôté au nom puissant de Jésus, soit enlevé au nom puissant de Jésus. Tout vêtement de deuil qui ramène la mort dans ta maison, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus. Que tout vêtement de deuil qui ramène la mort dans ta famille, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout vêtement de deuil qui ramène la mort dans ton couple, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout vêtement de deuil qui habille ma vie soit anéanti et brûlé par le feu dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois l'huile de joie. Reçois l'huile de joie au lieu du deuil. Reçois l'huile de joie. Reçois le vêtement de la joie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas prophétiser sur ta vie. Alors que nous arrivons à la fin, tu vas prophétiser, tu vas dire, je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prophétise sur ma vie, je prophétise sur mon corps, je prophétise sur ma vie. Ma vie reçoit la vie au nom de Jésus. Ma vie reçoit la vie de Christ. Alléluia. Mon corps reçoit la vie de Christ au nom de Jésus. Mon âme reçoit la vie de Christ au nom de Jésus. Mes talents reçoivent la vie de Christ au nom de Jésus. Mes finances reçoivent la vie de Christ. Mes enfants reçoivent la vie de Christ. Commence à prier, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise ce soir, je prophétise sur ma vie, je prophétise sur ma maison, je prophétise sur mon mariage. Je déclare maintenant, alors que je me tiens à la porte de minuit, que mon corps reçoit la vie de Dieu, que mon corps reçoit la vie de Christ, mon corps reçoit la vie, mon corps reçoit la vie au nom puissant de Jésus, mon corps reçoit la vie de Christ, mon corps reçoit la résurrection de Christ, mon corps reçoit la vie, mon âme reçoit la vie, mes talents reçoivent la vie, mes grâces reçoivent la vie, mon intelligence reçoit la vie, mes finances reçoivent la vie au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, mon étoile reçoit la vie, ma santé reçoit la vie au nom puissant de Jésus Christ. Déclare la vie maintenant. Déclare la vie dans ta maison. Je déclare ce soir que ma maison reçoit la vie. Je déclare ce soir que mes enfants reçoivent la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que ma vie reçoit la vie de Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Marabasaka. Materebosaka. Machandarabaseke. Commence à déclarer. 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 Au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie Zoé, dans mon corps, dans ma santé, dans mon âme, dans mon esprit, je déclare la vie, je déclare la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, dans ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, que je reçois la vie, je reçois la vie, ma vie reçoit la vie de Dieu, ma vie reçoit la vie de Christ, ma vie reçoit le souffle de l'esprit, ma vie reçoit la vie de Dieu, au nom puissant de Jésus, de la tête à la plante de mes pieds, mes enfants reçoivent la vie de Christ au nom puissant de Jésus. Ils reçoivent la vie, ils reçoivent la vie, ils reçoivent la vie, ils reçoivent la vie au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que l'esprit souffle de quatre vents. Je déclare ce soir, oh, je reçois la vie. Le chômage me quitte, les échecs me quittent. Je reçois la vie au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ. La maladie me quitte, je reçois la vie au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ. La peur me quitte, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La stérilité me quitte, la sécheresse me quitte, car je reçois la vie au nom de Jésus. Je reçois la vie au nom de Jésus. Je reçois la vie au nom de
Jésus. La vie de Christ coule en moi. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prophétiser, bien-aimé. Prophétise sur les choses que tu veux voir. Commence à prophétiser de la même manière que Dieu a parlé à Ézéchiel et lui a dit de prophétiser sur les eaux desséchées. Là où il y a des ossements desséchés dans ta vie, commence à prophétiser sur cela. Là où il y a des ossements desséchés, commence à prophétiser. Reçois la vie. Reçois la vie. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma vie reçoit la vie. Mes enfants reçoivent la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma maison reçoit la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Marabasaka. Manderebosaya. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Mes entrailles reçoivent la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes trompes reçoivent la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon travail reçoit la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare la vie sur ce qui était mort dans ta vie. Sur toute chose que le diable avait volée. Ce qu'il avait enterré. Que cela puisse recevoir la vie. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Ma maison reçoit la vie. La vie de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je reçois la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon mariage reçoit la vie. Au nom puissant de Jésus, oui, que ton mariage reçoive la vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, que ton mariage reçoive l'huile de joie maintenant. Au nom puissant de Jésus, que ton mariage reçoive la vie. Au nom puissant de Jésus, que ton mariage reçoive la splendeur. Au nom puissant de Jésus, que tes finances reçoivent la vie. Alléluia. Que tes entrailles reçoivent la vie. Au nom puissant de Jésus, que toute racine de mort dans ta vie soit brûlée et anéantie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le rassemblement des ténèbres contre ta vie soit anéanti et brûlé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie de Christ, reçois la vie de l'Esprit, reçois la vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ce soir tu es le cauchemar, sois le cauchemar du monde des ténèbres, tu es le cauchemar du monde de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus et au nom puissant de Jésus, ils te chercheront, ils trouveront du feu au nom puissant de Jésus-Christ. Ils te chercheront, ils trouveront de la poussière qui va les aveugler au nom puissant de Jésus-Christ. Ils te chercheront, ils trouveront de l'huile qui va les faire glisser au nom puissant de Jésus. Ils te chercheront, ils trouveront des ténèbres qui va les aveugler au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela, reçois cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta vie est libérée dans le nom puissant de Jésus. Ta vie est libérée, ton mariage est libéré, tes finances sont libérées, ta vie spirituelle est libérée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, la vie de Dieu souffle en toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ta destinée est libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute racine de la mort dans ta vie est foudroyée par le feu, par la foudre de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Jésus, merci Jésus. Alors, bien-aimé, ne pars pas si vite. Donc, dresse ton autel. Nous sommes à la fin de la session. L'autel, c'est une offrande spéciale que tu donnes pour la session de prière. Alors, donne ton offrande spéciale, dresse ton autel maintenant et je prie pour la fin. Ne partez pas si vite, attendez toujours la fin, car la Bible déclare « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, vaut mieux finir jusqu'à la fin. » Ne partez pas tant que ce n'est pas fini. Je prie pour la fin, vous aimez la vidéo, vous partagez encore et ensuite nous allons nous séparer et vous donner les offrandes, vous dressez vos autels. Alléluia pour ce soir. Gloire à Dieu. Tendre Père, je te bénis encore pour ton peuple. Seigneur, je viens te confier ton peuple, que tu les gardes et que tu les protèges en cette nuit, Seigneur. Que tu les gardes, que ton ange campe autour de chaque personne en cette nuit, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de l'Esprit à chaque personne. Là où il y a des choses cachées, là où il y a des racines qui sont cachées, là où il y a des vérités spirituelles cachées. Seigneur, que tes enfants puissent les voir. Dans les songes, dans les rêves, Seigneur, que tu parles, que tu leur montres ce qui est caché, les choses cachées qui concernent leur vie et qui va les libérer, Seigneur. Je te prie que cette nuit soit une nuit de bénédiction pour tes enfants, Seigneur. Garde-les, protège-les, Seigneur. Sois une muraille de feu autour de chacun d'eux. Sois une muraille de feu
autour de leur maison. Oui, que le Père soit une muraille de feu autour de vous dans le nom de Jésus. Soyez couverts par le sang de l'agneau et que vous soyez invisibles aux yeux de l'adversaire au nom puissant de Jésus. Que vous soyez invisibles ce soir aux yeux des sorciers au nom puissant de Jésus. Que vous soyez très dangereux pour le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus et que le Seigneur vous donne encore la victoire dans votre sommeil. Oh, que le Seigneur vous bénisse en cette nuit. Je brise tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit est foudroyé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de mauvais rêve, Seigneur, je viens détruire cela dans le nom de Jésus. Je détruis les rêves de terreur. Je détruis, Seigneur, les oppressions de la nuit dans le nom de Jésus. Et je déclare ta vie dans leur vie en cette nuit, Seigneur. Que votre nuit soit douce et paisible. Que votre nuit soit une nuit de paix, une nuit de grâce, une nuit de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Alors que vous serez en train de dormir, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de toutes sortes de bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, j'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Soyez bénis, si vous avez été bénis, mettez juste béni, 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 Amen. Et le pays d'où vous nous suivez, aimez la vidéo, nous sommes très très nombreux. Aimez la vidéo, j'aime la vidéo, c'est tout simplement le pouce bleu, le pouce noir ou bleu. Vous cliquez sur le pouce en haut et non celui d'en bas, Amen. Cliquez. J'aime la vidéo, partagez la vidéo à quelqu'un, à une personne qui souffre, à quelqu'un qui doit connaître le Seigneur, et le Seigneur vous bénira. Soyez bénis, soyez bénis. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Semeur ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification.